De retour dans vos vies en ce jeudi 9 avril 2020, 26e jour de confinement. On espère que vous allez bien. On va passer un petit moment ensemble, une petite heure à parler football, Olympique de Marseille, que des sujets très sérieux, avec des périodes, avec des personnes très sérieuses, avec Hervé Berkane qui est avec nous. Ça va, Bonjour à Hervé? toutes et à tous. Ça va, ça va, ça va. Regardez, Eh ouais. je ne vais pas pouvoir prendre la place de Mandanda cette année encore. Merde. Bon, on espère que tu te remets bien de ta petite blessure, Hervé. On va y Ouais. revenir dans 2 petites minutes. On va accueillir les autres. Nassim est avec nous également. On rappelle, jackieetmichel.com. Toujours. Il ne va pas la lâcher, sa blague mouette. Non, moi, tu sais, quand j'ai un running gag, je m'y tiens. Non, là, c'est même pas un running gag, c'est un running tout court. Parce que dans le running gag, il y a le mot gag, mais J'ai là, il n'y a entamé pas de course gag. de fou. Voilà, On est donc sur un running. voilà. Nico, par exemple, il se dit, putain, est-ce Non, qu'il va faire la blague ou pas? j'attends, j'attends. Alors, je l'appelle Attention, pas. je me Nico guidais du est avec plateau. nous. Du plateau. Nico est avec nous. Ça va, Nico? Ça va, attention à ce que tu vas dire. Nassim, Stat Perform, le groupe qui C'est ça. performe, tu Ouais. envoyais spécial de partout dans le sud de la France, à Nice, à Monaco, Ouais, quand il n'y a à pas de l'Olympique confinement. de Marseille. C'est ça. Allez, Puis il est tous surtout les dans son clubs. appart. Ouais, là, je suis surtout dans mon appart. Ouais. Je les suis de loin. Hervé, qu'est-ce qui s'est Oui. passé un peu là? C'est-à-dire, moi, ce qui m'est arrivé? Oui. Voilà, on fait l'émission sur moi? Ça va, alors, je vais vous raconter Ah depuis le non, quand début. même. Alors, je suis né. Non. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai fait un plongeon, mais pas de football. J'ai fait plonger dans un camion de 1,50 m et je suis parti la tête en avant. Et je me suis réceptionné sur le bras droit et je me suis cassé tout le côté droit en 10 morceaux, l'épaule. Maintenant, vous pouvez m'appeler Steve Austin, j'ai une barre de métal. Voilà. Bon, écoutez-moi. Et du coup, comme série, toi tu viens de choisir une nouvelle série Ah ouais, l'homme qui valait que 3 tu viens milliards. d'entamer parce que entre Netflix, HBO, C'est pourri, ça. C'est pourri. Prime, Amazon Prime, toi tu as choisi. L'homme qui valait 3 milliards sur Paramount Channel, énorme. Énorme, c'est énorme. Nouvelle série. C'est Quand tu vas vite, tu le énorme. mets au ralenti. Ouais. Alors, ben écoutez-moi, il passe les premiers épisodes que je n'ai jamais vus. Il y a un épisode, tu le vois cavaler à super vitesse. Comme tu rigoles, il a une carriole devant lui, il l'a mis en accéléré. On dirait du Benny Hill, les gars, c'est énormissime. Ah, il faut le voir. Ils se sont manqués sur les effets spéciaux, c'est l'épisode 3, je crois. Ah, C'est énorme, c'était par terre. Oh t'as putain. perdu Et la vous. moitié des auditeurs, la Benny Hill, l'homme qui valait 3 milliards, les mecs ils sont Mais perdus. non, il y a des vieux comme moi dans l'assistance, je suis Ouais, sûr. ça Oui. va. L'homme qui valait Ah, 3 milliards, putain, celle-là je l'avais oubliée quoi. Il y ah, c'est avait un quoi? grand Il moment. y a L'immature. Super Soccer aussi. Non, c'est après ça. Ça date Après de ça encore? 74, là. Ouais, c'est un peu après. Manimal, comment s'appelait Manimal là? Minimal. Il n'y a eu que 10 épisodes de Minimal, Attends, d'ailleurs. c'est Football Club de Marseille ou c'est Football Club des séries? Je me suis peut-être trompé. Non, Entre les questions. en période de confinement. Non, mais Arrête, vous avez vu pense aux fans, quelle est leur série préférée actuelle? Tu vas voir les réponses. Ouais, mais vous Pense avez aux déjà fans. revu un épisode de Manimal quand il se transforme Et en. c'est. Oh, énorme. Énorme. Ah, c'est franchement, c'est fort. C'est fort. Heureusement que Bon, les alors, gens, ils les n'arrivent autres, pas Stat, tous quand dès même. le début. Ouais, passez l'intro, ceux qui regardent en replay. A commencé déjà à 3 minutes. Moi, j'ai failli partir. C'est des très bonnes séries. Allez, messieurs, on va parler des salaires des joueurs dans cette première partie d'émission parce qu'il y a un accord qui aurait été trouvé entre l'UNFP et les clubs de foot français. Alors, déjà, ce qu'on sait, c'est que depuis le début du confinement, depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les joueurs sont comme la plupart d'entre nous, sont au chômage partiel. Donc, ils touchent 70% de leur salaire Brut. brut. Ouais. Est-ce que déjà ça, vous trouvez ça normal ou pas que les clubs aient utilisé cette option de faire payer en gros l'État une partie des salaires des joueurs de football? Tiens, Hervé.
pour moi, c'est tout à fait normal, vu qu'ils cotisent énormément, c'est la masse salariale. Chaque mois, chaque club, à peu près le double, je crois, ils cotisent en charge salariale et patronale. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Après, tu as la classe des joueurs de la Juve, je crois qu'ils ont fait la croix sur 4 mois de salaire pour ne pas mettre le club en danger. Carrément, c'est eux qui ont arrêté ça. Donc, mais nous, on sait qu'en France, tu as les députés, je crois, dans les pays de l'Est, là, ce qui se passe, ils ont donné tout leur salaire pour un fonds pour les infirmiers, et nous, tu attendras toujours, tu vois, c'est une histoire de mentalité d'un peuple, après, hein. C'est toujours pareil. Mmh. Mais bon, déjà, pour les finances de l'OM, c'est bien. Mmh. D'accord avec Hervé, dans le sens où il parle des charges que payent les clubs en France, il faut savoir que les clubs français sont beaucoup plus taxés que les clubs à l'étranger, donc qu'il y ait un mécanisme de récupération, même s'il est infime par rapport à ce que tu payes au salaire, oui. Moi, ça ne me choque pas, parce qu'ils payent, les clubs payent énormément de charges et de taxes, donc... qu'ils en récupèrent une micro-partie, ce n'est pas non plus le scandale du siècle. Alors, il y a une autre news qui est tombée, mardi dernier, on a appris ça, c'est que donc il y a eu un fameux accord entre l'UNFP, ce que je disais tout à l'heure, et les clubs de foot, pour que, en gros, il y ait un décalage d'une partie des salaires des joueurs de foot. Alors, ça va se faire par tranche de salaire, c'est-à-dire que alors en gros entre des salaires je l'ai noté ici. Bah, en fait c'est comme pour les impôts, donc enfin en tous les cas ouais. Le système de tranche c'est comme pour les impôts, pour ceux qui connaissent. Bon, il y en a d'autres qui sont plus jeunes et qui payent pas encore d'impôts, donc ils savent pas vraiment comment ça fonctionne. Donc j'explique. Si tu veux, j'allais le faire, mais tu peux le faire. Ok. Bah, en fait, on a pris le parti de le faire sur un joueur qui est payé 100 000 euros brut par mois. Mmh. Donc, s'il est au chômage partiel, sa rémunération, elle passe à 70 000 euros brut par mois. C'est normal, c'est 70% du salaire brut. Et sur ces 70 000 euros, eh ben, sur chaque tranche, il y a 4 tranches, et on va prélever un certain pourcentage de chaque tranche. C'est-à-dire que si vous gagnez 100 000 euros, sur ces 70 000 euros, jusqu'à 10 000 euros, on ne vous prend rien. Donc, sur la première tranche de 10 000 euros, si vous êtes payé, par exemple, 10 000 euros par mois, vous gardez votre salaire. Si vous êtes payé 20 000 euros par mois, entre les 10 000 et les 20 000 euros suivants, vous allez subir une réduction de 20% sur ces 10 000 euros-là. D'accord. Donc, si vous gagnez 15 000 euros… on va prendre les 10 000 euros d'entrée, vous les garderez. Et donc, sur les 5 000 euros suivants, entre 10 et 20 000, donc vous n'avez que 5 000, puisque vous gagnez 15 000 euros, sur ces 5 000 euros-là, on va vous enlever 20 %. Et c'est ainsi de suite pour chaque tranche, comme les impôts. Donc, nous, le calcul… Alors, au-delà de 100 000 euros, en gros, on te prend 50 % du salaire. Voilà, c'est ça. Au-delà de 100 000 euros. Ça, 100 000. Pas sur, par exemple, Strootman… il gagne 5, on va dire, on prend les 500 000 bruts de Strootman, on ne va pas considérer qu'il gagne 500 000, donc on lui enlève 50 %. Non, on lui enlève 50 % que sur la tranche entre 100 000 et 500 000. D'accord. Voilà. Oh ouais, d'accord. Oui, comme les impôts. Okay. Voilà, c'est le même principe que les impôts. Donc sur un salaire brut de 100 000 euros, en un club… Après ces réductions-là, il ne payera plus que 51 000 euros de salaire au lieu des 70 du chômage partiel. Donc, ça fait quand même une économie de 20 000 euros sur un salaire de 100 000 euros, sans compter les charges. Ça, est juste sur le salaire brut. Mais par contre, ça s'est perdu ou alors, c'est juste en attendant et après… Alors justement, ça sera décalé. On parlera tout à l'heure. Nico, qu'est-ce que tu penses de cet accord? Bah, je pense que c'est une bonne chose parce qu'effectivement, les joueurs en ce moment, ils jouent pas, hein, ils sont confinés comme tout le monde, ce qui est normal. C'est bien qu'ils attendent et qu'ils aient une petite réduction, même s'ils récupèrent leur argent, on va en parler après. Après, le truc des tranches, c'est intéressant parce qu'effectivement, un joueur qui gagne 500 000 euros par mois, c'est normal qu'il paye, qu'il perde de façon temporaire beaucoup plus qu'un jeune qui a un contrat stagiaire à 10 000 euros par mois et qui, lui, peut se retrouver un peu plus emmerdé à un moment donné, quoi. Donc ça, c'est le système des tranches. Moi, je trouve ça plutôt intelligent. Après, bon, c'est au bon vouloir des joueurs. Il faut rappeler quand même que si les joueurs ils acceptent pas ça, les clubs ne peuvent pas les forcer. Ils peuvent les obliger, mais les réductions, non. Voilà, c'est ce que a demandé l'UNFP, c'est que c'est les contrats de travail, vous ne pouvez pas imposer ça à un salarié. Il faut que le salarié soit d'accord. Et donc, puis, il y a aussi même si
il y a aussi des joueurs qui peuvent être. Il y a des joueurs qui peuvent refuser parce que ils ont peut-être énormément de frais, des problèmes financiers, etc. Ça, donc, bon, au cas par cas, mais bon, ouais. De grandes chances. De toute façon, les joueurs savent que l'argent, ils ne le perdent pas. Ouais. C'est-à-dire qu'ils refusent ou qu'ils acceptent, ils toucheront la même chose. Ouais. Alors, ils ne le perdent pas, mais après, j'ai envie de te dire, on ne sait jamais. Parce que, si, tu vois, on ne sait pas si le championnat va reprendre. Admettons le championnat… Même si le championnat ne reprend pas, ils leur devront quand même. C'est des salaires. C'est peut-être des négociations aussi derrière, parce que tu ne sais pas. Aujourd'hui, légalement, ils ne se sont pas assis sur leur salaire. C'est juste un décalage. Et à moins que les clubs fassent faillite ou qu'il y ait un dépôt de bilan ou des choses comme ça, ce sera des retards de paiement, quoi. Mais il y aura pas de. Mais par contre, vas-y, Hervé. J'allais dire, par contre, le problème, il n'est pas plus loin. C'est-à-dire que si Bein Sport et toutes les chaînes ne paient pas leurs droits, ça part de là. On va parler juste après des droits télé. Ah, pardon, excuse-moi, ça va, je n'avais pas le titre. D'accord. Juste une précision, Ben. Comme disait Nassim, donc les joueurs peuvent refuser ça. Après, s'ils l'acceptent, il faut savoir que donc, la différence, là, sur l'exemple qu'on a pris sur un salaire à 100 000 euros, les 19 000 euros, je crois que c'était ça, Nassim, les 19 000 euros en moins qu'ils ont par rapport à cette histoire de tranche, ils doivent les récupérer au maximum un mois après la fin du championnat. Ça, c'est l'accord à peu près qu'ils ont trouvé entre club et joueur. Donc, et si je dis pas bêtise, cet accord, il compte que pour le mois d'avril. Ouais, c'est que pour le mois d'avril. Alors après, est-ce qu'ils vont le prolonger selon ce qui va se passer, je pense qu'ils le prolongeront peut-être. Mais le fait est qu'en fait, c'est juste un décalage de salaire. Ils ne leur prennent pas l'argent non plus. Alors, la Provence, aujourd'hui, donne un exemple sur un salaire d'un joueur de l'Olympique de Marseille. Bon, la Provence cite Payet. Ils disent que le club peut économiser sur un salaire comme ça, sur les gros salaires de l'OM, 450 à 500 000 euros par mois, charges comprises. Ouais. Bah, c'est ça la différence. C'est les charges qui coûtent beaucoup aussi. Là, on parlait de salaire brut, nous. Les charges, ça multiplie le salaire quasiment par deux. Donc, effectivement, tu peux économiser un demi-million d'euros sur tes gros salaires, en l'occurrence pour l'OM. C'est énorme. Et sur l'effectif total, c'est énorme en termes d'argent. Enfin, mais c'est une économie provisoire. Oui, si on parle de, enfin, il faut aussi savoir qu'en général, un club, on va dire, qui est bien géré, la masse salariale, elle correspond globalement à 60% de ton budget, et à l'OM, c'est 80%. Donc, l'OM va profiter beaucoup plus que les autres clubs du championnat de France de ce système-là, parce que l'OM a une masse salariale beaucoup plus importante en pourcentage par rapport aux autres clubs. Donc oui, ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour le club. Mais encore une fois, c'est que du différé. C'est pas des vraies réductions. Alors, il y a Jacques Henriero qui s'est exprimé hier soir là-dessus chez nos confrères de Quotidien sur TMC. Alors, déjà, les choix de médias en ce moment sont Quotidien ? Mais quel rapport avec nous ? Sont un peu étranges. Et il fait Quotidien. C'est-à-dire qu'il s'est exprimé avant-hier sur France 5, sur C'est à vous. Dans C'est à vous, et hier dans Quotidien sur TMC. Dis-moi, ça va être pas en train de nous préparer une petite sortie, il va passer l'examen politique là. Entre parenthèses, alors, en plus tu l'as pris, tu vois. T'évites peut-être. Le mec qui est pas. T'évites un peu les médias spécialistes et t'évites les questions qui fâchent. Oui, ça c'est vrai. Tu as raison. Ouais. C'est vrai. Ça parle plus général de salaire et tout. Donc. Oui. Voilà, ils ne vont pas commencer à dire oui, la situation de l'OM, la gestion, la CISA. C'est une petite virgule dans l'émission. Tu as 30 secondes, une petite déclat qui fait 30 secondes. Je vais vous citer une partie de son intervention sur les salaires. Il dit: on est dans une situation extraordinaire. Nous sommes dans une crise. Les joueurs se doivent de faire des efforts financiers importants. J'espère qu'ils seront au rendez-vous de l'histoire. Oh, putain, c'est du De Gaulle, là-haut. Alors, en tant que dirigeant de l'OM, j'ai une responsabilité forte. Nous serons au rendez-vous. Alors, s'il n'a pas négocié avant avec les joueurs, il va passer pour les billes. Hein ? S'il n'a pas négocié avant avec les joueurs, qui s'avancent et qui les provoquent comme ça, et qu'ils disent non, il va passer pour une bille. J'espère qu'il a pris ses précautions avant.
Et quoi, c'est un coup de pression qu'il met là ou... Ah ouais, j'appelle ça comme ça. Les joueurs sont au rendez-vous. Est-ce qu'il le tient un homme ou tu n'es pas un homme si tu ne lâches pas ton salaire? C'est tout. Hein ouais. Ma foi, je vois ça. Non Nico bah, je pense surtout que notre ami Jacques Henriero, déjà, ça serait bien qu'il se remette en question. Parce que si l'OM, justement, comme disait Nassim, ils ont 80% de leur budget, c'est la masse salariale, c'est que lui, il a signé les papiers pour qu'ils prennent des joueurs avec des salaires hallucinants. Donc, quelque part, il est aussi responsable de la situation de l'OM, par contre. Il n'est pas responsable du coronavirus, on ne va pas exagérer, hein, mais il est responsable de la situation financière de l'OM qui est déjà dans le rouge avant cette histoire de coronavirus. Donc là, il vient donner la leçon. J'espère que lui aussi, il fait des efforts sur son salaire. Hein, parce que pour l'instant, lui, il est grassement payé. Et quand on voit le résultat, on pourrait en parler de ça aussi. Ah, mais les joueurs, de toute façon, ils... Je n'ai pas spécialement d'avis. J'ai l'impression que c'est juste de la com classique. Quoi. On n'est pas dans du sportif. De dire que les joueurs devront baisser leur salaire, oui, on verra, mais franchement, je n'ai pas trop d'avis sur ça. Ouais, mais sur ça, est-ce qu'il a raison quand il dit ça? J'espère qu'ils vont faire des efforts importants. C'est vrai, est-ce que pour vous, c'est logique qu'ils le fassent? C'est normal, on a vu dans d'autres clubs importants, il y a eu des efforts très importants de fait. Tu citais la Juve tout à l'heure. Là, c'est vraiment… En l'occurrence, oui, c'est normal qu'ils le fassent puisqu'on leur propose de différer leur salaire. Ils ne perdront pas d'argent. Encore une fois, on le répète. Donc, ce n'est pas non plus une pression terrible qui est mise par les clubs. Quoi. C'est juste du différé. Ce qu'ils perdent, c'est l'histoire du chômage partiel. Ils perdent de l'argent. Ils perdent oui, et ensemble. Dans tous les cas, ils auraient perdu. Donc, ça… Tu voulais rajouter quelque chose, Hervé? Non, je pense qu'il y aurait été bienvenu. Alors, je crois que l'OM a donné un peu d'argent, a fait une opération de com pour les aides-soignants. Je pense que les joueurs, ils auraient pu faire une petite cagnotte, ça aurait été bien dans l'esprit quand même. Il y a Sakai qui a filé 30 000 euros. Hein. Ouais, mais je t'ai dit, tous les joueurs, je sais qu'il y en a 2-3 qui vont le faire parce qu'il y en a, ils ont la main sur le cœur, tu vois. Mais moi, j'aurais été capitaine, j'aurais tous convoqué. J'aurais dit, bon, les gars. Faut un peu faire les choses parce que. Ouais, si je peux défendre les footballeurs, j'en ai un peu marre qu'on leur demande tout le temps de filer des thunes. Je te parle pas de ça, je ne veux pas faire le moraliste, Nassim. Jean-Jacques Goldman, tous, Francis Cabrel, ils continuent de toucher leur droit SACEM avec leurs chansons qui passent à la radio. Les films continuent de passer à la télé, tout le monde touche les royalties et personne ne dit ouais, attends, ça serait bien que Christian Clavier il donne aussi. Pour moi, je te parle localement par rapport à la ville, par rapport au fait que la ville, c'est elle roule pas sur l'or. On a vu que je sors de l'hôpital, j'ai vu un peu les conditions, tout ça et tout. Je te parle pas d'un truc général, je te parle pas de faire ça pour tous les clubs. Je te parle, ça aurait été sympa que le geste de Sakai aurait pu être démultiplié au sein du club. J'aurais apprécié en tant que fan, quoi. Voilà, tout simplement. Mais après, c'est un aparté. C'est pas une obligation. Non, ça serait bien que Christian Clavier il donne de l'argent par contre. Ouais, voilà. C'est gavé. Alors, Christian Clavier, si tu regardes cette émission, fais un gros chèque. On t'attend là-dessus parce que t'en as plus de l'argent. Allez, on va passer aux droits télé. Les droits télé, Canal Plus et Bein. Ouais. Bon, ils veulent toujours pas payer, les gars. Eux, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent pas payer. Donc, c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, Hervé. C'est ça surtout qui met aussi le football français en grande difficulté. Si jamais le championnat ne peut pas reprendre. Eux, en tout cas, ils ont décidé de ne pas payer les dernières tranches qu'ils devaient payer. Est-ce que déjà, tu trouves ça logique, toi, Hervé, ou pas? Non, je ne pense pas. Alors, ça veut dire que s'ils ne payent pas les dernières tranches, il faut qu'ils remboursent tous leurs abonnés aussi. Tant qu'à faire. S'ils font ça, ils ne veulent pas payer, remboursent leurs abonnés. Non, moi, je pense que la Ligue, ce qu'ils auraient dû faire, c'est dire, bon, payez-nous, vous avez les fonds. Et par contre, l'année prochaine, on essaie de vous faire une remise pour que, tu vois, une remise de caisse, de trésorerie, comme c'était Dieu. Tu parlais que de bonnet, tu ne parles même pas de droit. Il n'y a plus de droit. Ah merde, c'est l'année où ça bascule. Ah merde, putain. Ah merde, je croyais qu'il y avait encore un an. Ah ouais, alors mon théorème, il ne se tient pas, quoi. Ah merde, si je croyais qu'il y avait encore un an. Vous, quand vous commandez quelque chose, si on ne vous le livre pas, vous payez? Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que sur les traites qui restent à payer, il y a des matchs qui ont déjà été diffusés. Ça, c'est vrai. Donc, Canal+ a touché de la publicité. Ils ont eu ils ont touché les cotisations des abonnés. Donc, il y a de l'argent qui est rentré pour ces matchs qui ont été diffusés. Alors qu'ils ne veuillent pas payer pour la suite, moi, je trouve ça logique. Tu n'as pas de match à diffuser, tu ne payes pas, c'est normal. Mais par contre, que tu te refuses de payer ce qui t'a permis, toi, d'engranger de l'argent… ça, j'ai un peu plus de mal à,
à le comprendre. Et comme l'a dit Hervé, dans ce cas-là, bah, tu rembourses aussi tes abonnés. Alors, quand tu es chez Bein, tu peux résilier quand tu veux. Donc ça, à la limite, les abonnés font ce qu'ils veulent. Chez Canal, c'est un peu plus compliqué. Mais logiquement, moi, ce qui me semblerait logique, c'est que tu payes au moins la partie que tu as diffusée. Après, le reste, c'est normal que tu ne payes pas. Alors, il y a un président de Ligue 1 qui a été désigné pour aller négocier tout ça. C'est Nasser El Khelaïfi. Ça m'a fait rire, ça. C'est peut-être lui qui va nous sauver, hein, au final. Ah, ouais. Donc, c'est lui qui a été désigné pour aller discuter avec Canal+, pour aller demander à Canal+ de payer l'addition. Mais en même temps, la veille, on apprend que Bein Sport ne veut pas payer non plus. Sachant que Nasser, c'est un petit peu le boss de Bein Sport. De Bein Media Group. Voilà. C'est le boss. Ouais. Il faut qu'il arrive à se convaincre lui-même, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un conflit d'intérêt, sachant qu'en plus, Bein est clairement en égo avec Canal+. Enfin, Bein était, je crois que maintenant, ils sont diffuseurs exclusifs via Canal pour la saison prochaine. Donc, oui, c'est particulier. Nico. Non, complètement, il y a un souci là. Je ne comprends pas le délire du truc. Sachant qu'il y a aussi Hiro qui est quand même un fin négociateur. Hein, on l'a vu avec les transferts à l'OM, aussi dans l'équipe. Donc là, ils ont fait une belle équipe. Pourquoi ils n'envoient pas Hiro? Je ne comprends pas. Avec toutes les négos qu'il a fait. Il ne s'est jamais laissé. Le plus incompréhensible, c'est surtout. Bon, nous, on aime bien le détester, mais l'absence de Jean-Michel Aulas. Lui, il n'a pas compris non plus. Hein. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre, quoi. Parce que s'il y a un dirigeant en France qui sait défendre les français. Est-ce que c'est parce que le confinement, c'est les personnes âgées, elles sont en danger. Il ne faut pas les mettre en danger. Juste pour rester sérieux, est-ce que c'est pas une indication, ça? Si Aulas n'y va pas, peut-être qu'il se dit qu'effectivement, Nasser, c'est peut-être. La personne la mieux passée pour aller discuter. En gros, ça veut dire que si le Qatar a envie de faire un gros chèque pour sauver la Ligue 1, c'est ce qui va se faire. Ils vont trouver un arrangement comme ça. Mais Aulas, il n'y va pas parce qu'il n'a pas été nommé par les autres présidents. C'est pas lui qui a décidé de ne pas y aller. C'est les présidents de clubs qui ont décidé de nommer. Je crois qu'il y a Jean-Pierre River, il y a Jacques-Henri Hérault, il y a Olivier Sadran et Nasser Al Khelaïfi. Et Nathalie Bois de la Tour, si je ne dis pas de conneries. Donc, c'est eux qui vont. C'est les présidents de club qui ont décidé de qui ira négocier ça auprès de Canal+. Moi, j'aurais envoyé le fils Nicolas, ça aurait été mieux, là, avec des mecs de Montpellier pour négocier. Et t'as ça, puis on peut aussi. Alors, je ne sais pas si tu vas en parler, mais il y a aussi les droits télé qui vont concerner l'UEFA. Et c'est pour ça que l'UEFA met la pression à tous les clubs et toutes les ligues en Europe pour ne pas arrêter leur championnat comme l'a décidé la Belgique et comme veut le décider l'Écosse. Parce que l'UEFA, ils veulent toucher leurs droits TV absolument. Donc, je pense que si les pays qui décident d'arrêter ne sont pas concernés par les Coupes d'Europe, ça ne va pas leur poser de problème. Mais ils veulent que tous les autres clubs qui ont tous les autres championnats qui ont des clubs engagés en Coupe d'Europe, ils veulent que ces clubs restent compétitifs et qu'ils puissent participer à la Ligue des Champions, à l'UEFA si ça doit reprendre. Donc les droits TV, ça décide de pas mal de choses, que ce soit au niveau européen ou français. L'argent, quoi. Alors, il y a un troisième acteur qui est rentré dans le game, là, et c'est assez drôle aussi, c'est Mediapro, qui s'est proposé de diffuser la fin de la saison, et donc de racheter les droits, en gros, si je me trompe pas. À la casse, ouais, j'ai compris. Ils s'engouffrent dans la brèche, tout simplement. Ils font la Ligue 1 l'année prochaine. Là, ils ont la possibilité de déjà gagner une partie des abonnés, parce que quand le foot va reprendre, s'il y a que Mediapro qui diffuse la fin de saison, les gens vont vouloir s'abonner à Mediapro. Mais c'est que si le contrat est rompu entre Canal+ et Bein Sport. Alors là, Canal et Bein étaient un peu en position de force, je pense, par rapport à la Ligue, en leur disant nous, on fait ce qu'on veut, on ne paye pas, vous ne nous avez pas livré, machin. Mais si la Ligue décide de rompre le contrat parce que Mediapro est dispo, là, pour moi, la donne, elle change quand même pas mal. Je ne suis pas un expert des droits télé et de tout ce milieu-là. C'est un coup de pression, là. C'est un coup de pression qu'ils viennent mettre. Ils sont peut-être en mission commandée
par la ligue. Non, mais chacun joue sa carte en fait. Chacun essaie de profiter de la situation. La situation elle est complexe. Il y a plein de choses que personne ne maîtrise. Le confinement, on ne sait pas quand ça va se terminer. Donc du coup, chacun essaie de jouer sa carte. Canal, ils ne veulent pas lâcher de l'argent parce que je pense qu'ils en perdent aussi, même s'ils n'ont pas que le sport. Bein, à mon avis, les trois quarts des gens, ils sont désabonnés parce qu'il n'y a plus rien. Donc c'est compliqué pour ces gens-là. Donc chacun essaie de jouer sa carte. C'est aussi un peu normal. On peut comprendre que ces gens-là, ils n'aient pas envie de payer alors qu'ils n'ont plus rien à mettre à l'antenne. Quoi. Ouais, non, c'est opportuniste, le dirigeant de Mediapro, il est opportuniste. D'accord avec toi. Par contre, il y a un truc, c'est qu'eux, ils veulent le diffuser, mais sur quoi ? Il n'y a toujours pas de chaîne. Ils te disent que c'est... Moi, je ne sais pas si vous avez lu l'interview dans l'équipe qui explique à peu près tout ce qu'ils veulent faire, mais ils te disent que monter une chaîne, c'est assez rapide à faire. Ils sont déjà en négociation avec les distributeurs internet et il y en a avec qui les discussions sont très avancées. Donc, voilà, j'ai l'impression qu'en France, on pense que Mediapro, c'est des pimpins qui débarquent dans le métier. Non, Mediapro, ils gèrent la Liga, ils produisent déjà des matchs en France, ils sous-traitent pour Bein Sport, c'est eux qui produisent la majorité des matchs de Bein Sport. Donc, Mediapro, c'est pas des tocards, il y a un vrai savoir-faire derrière. Et moi, j'ai tendance à le croire. S'il te dit qu'en 2 mois, le savoir-faire technique, ils l'ont. Après, il y a juste à trouver les personnes et trouver 10 journalistes, 10 commentateurs. C'est pas ça qui manque en France. Quoi. Donc, ils n'ont qu'à nous recruter à nous. Hein. on est déjà 4. Après, le truc qu'il y a par rapport à Mediapro, je pense que le doute qu'on peut souvent entendre dans certains gros médias français, c'est pas forcément sur leur capacité à retransmettre les matchs, c'est plutôt leur capacité à payer ce qu'ils vont devoir payer. C'est plutôt, il y a des doutes là-dessus parce qu'il y a eu un problème en Italie par rapport à ça, etc. C'est ce que dit le président de Mediapro dans l'équipe. Il dit, écoutez, nous, on doit d'argent à personne, on a toujours payé ce qu'on devait. Et aujourd'hui, ceux qui ne payent pas, c'est Canal et Bein. Donc, s'il y a des gens de qui s'inquiétaient des paiements aujourd'hui, ce n'est pas nous. On doit d'argent à personne. Bon, ils n'ont rien payé encore en France. L'interview est vraiment intéressante. Moi, je l'ai lu ce matin et c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui dans l'équipe, c'est ça ? Ouais, dans l'équipe du jour. Allez, on s'arrête là-dessus sur les droits de télé et on va basculer Mercato, forcément. Voilà, cette période de confinement, le Mercato, c'est important. Il y a plusieurs infos qui sont sorties ces derniers jours. Déjà, dans le sens des départs, il y a un joueur qui est concerné. On entend beaucoup son nom dans la colonne des départs actuellement. C'est Maxime Lopez qui serait sollicité par plusieurs clubs, dont et surtout le FC Séville. On a aussi entendu le nom de Naples qui serait également intéressé. Voilà, Maxime Lopez, on rappelle, fin de contrat 2021, il fait partie de ces joueurs-là. Il a 22 ans déjà, hein, Maxime Lopez, il est plus non plus, c'est plus un très 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 jeune joueur, ça reste un jeune joueur. De jeune. 22 ans, c'est pas, voilà, dans le football moderne, 22 ans, c'est, voilà, il faut faire la bascule à 22 ans. Et sa cote Transfermarkt, elle est de, qu'est-ce qu'il y a, Nassim? Mais non, 22 ans, il est plus très jeune. Ça va, t'es sur Pluton, toi, 22 ans. Et quoi ? 22 ans, il est pas fini encore. Il va encore progresser. Il est pas. Je sais. En plus, tu parles à la seule personne qui a envie de le garder. Tu vois, sur nous quatre, je pense. Moi, je suis pour le conserver. Ah, mais t'es hypocrite. Pas du tout. Je pense que c'est pas le bon moment de le vendre. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Est-ce que pour vous, est-ce que ça sent la bonne affaire là pour les clubs européens pour le recruter, Nico ? Tiens, Nico. Bah, j'ai l'impression que c'est surtout le fait qu'il soit en fin de contrat en 2021. Oui, voilà. Les gens disent, il a que 22 ans. Il peut encore progresser, même s'il joue un peu moins cette saison. Il joue quand même encore pas mal de matchs, même s'il n'est plus vraiment titulaire. Et c'est un joueur qui a de la technique, qui a une vision du jeu, qui peut apporter quelque chose dans une équipe qui tient le ballon. Donc je pense qu'il y a des clubs qui se disent ça peut être une bonne affaire parce que c'est un mec qu'on va payer moins de 10 millions d'euros et qui peut exploser et qui peut rapporter gros derrière. Donc je pense que ça peut ressembler à une bonne affaire pour certains clubs qui ont un peu d'argent à investir, effectivement. On a appris aussi que, et ça c'est une info RMC Sport, que le fameux Paul Aldridge, vous le connaissez ? Oui, ouais. Paul, un pub là à Pointe-Rouge. Ouais.
le conseiller number one de Jacques Henry, il essaye de le placer en première ligue. En première ligue. Voilà. Ah. Il a été un peu missionné pour lui trouver des clubs en première ligue. C'est pas un peu étonnant, ça ? Il a le profil pour aller jouer là-bas, Maxime ? Maxime, j'ai changé de prénom. Non, écoute, moi je. Maxime, ok, tu parlais de Maxime, ok, j'ai cru que tu m'appelles Maxime. Non. Non, en Angleterre. Enfin, moi, c'est pas vers ce championnat-là que je m'orienterais si j'étais son conseiller. Je viserais plutôt l'Espagne ou l'Allemagne. Pour les petits gabarits comme lui, il faut soit t'es un buffle, c'est-à-dire t'es un Kun Agüero ou un Nil Mopé, c'est-à-dire que t'es très puissant, soit t'es un monstre de technique à la Bernardo Silva ou à la David Silva. Lui, il est ni l'un ni l'autre et j'aurais du mal à le voir exister en première ligue. Moi, j'ai peur que ce soit un mauvais choix comme Cabella a pu le faire, comme Thauvin a pu le faire, comme d'autres joueurs sont partis, alors que c'est des bons joueurs du championnat de France, et ils sont partis en Angleterre dans des clubs plus ou moins moyens. Et ils n'ont pas tenu parce qu'ils n'avaient pas les capacités. Nkoudou, je peux en citer des joueurs à l'appel qui ont fait ce genre d'erreur. Donc, non, l'Angleterre, bof. L'OM pousse, il fait partie des joueurs que l'OM veut. C'est aussi RMC qui le dit hier, notre confrère Florent Germain qui l'a dit hier sur RMC, qui fait vraiment partie des joueurs, Hervé, que l'OM... espère vendre cet été. C'est un petit peu les infos qu'on a nous hein, depuis plusieurs semaines. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses que c'est une bonne idée, toi, de vendre Lopez ? C'est moi que tu parles ? Ouais, Hervé, ouais. Ah, bah, parce que ça a coupé, c'est pour ça, j'ai pas le début de la phrase. Mmh. Écoute, moi, je pense que cette année, ça n'a pas été l'année de la confirmation. Il y a des matchs, c'est peut-être le temps de changer d'air pour lui. Par contre, si tu le vends, essayons d'être malin en négociation et d'avoir une part que s'il est revendu derrière, qu'il explose, qu'on prenne un peu à la Michi, qu'on prenne un peu un chèque derrière. Tu vois, tu ne le vends pas 10 millions secs et que si d'un coup, qu'il revend 30 bars derrière, qu'on se fasse un corps cambriolé. Parce que ça, on n'est pas très spécialiste de ça, nous. Hein, l'OM, les clubs nous la font, à nous. Mais nous, on l'a fait rarement. Donc voilà. Mais moi, je pense qu'il y a trop de matchs où je l'ai vu craintif. Je ne sais pas. C'est dur de faire un avis. Est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas été grisé ? Est-ce que maintenant, il n'est pas revenu un peu à quelque chose de normal aussi ? Parce que je trouve qu'il a changé d'attitude. Il est un peu mieux qu'à une certaine époque quand même. Mais je ne sais pas. Je ne le vois pas assez percutant et aller assez... Il manque du physique. Le problème, il est là. C'est que si c'était vraiment un joueur pro, Germino, bouffe-toi 10 heures de muscu par semaine. Quoi. C'est ton métier. Pour prendre un torse, pour prendre un coup, comme disait Nassim, fais-toi un petit buffle, tu vois. Ce que Valbuena, qui a le même gabarit, il était beaucoup plus tanké quand même. Hein. Tu vois ce que il était beaucoup plus nerveux, tout ça et tout. Et il se fait trop, pour moi, il se fait trop secouer un match. Voilà. Je pense qu'il sera très, très certainement mis sur la liste des transferts parce que c'est pas un titulaire indiscutable. Mais il est, Nassim. Il fait partie des joueurs que l'OM veut vendre. Il a une valeur marchande, le club est en galère d'argent. Mais c'est quoi la valeur marchande aujourd'hui de Maxime Lopez ? C'est quoi ? Tu ne le vends pas au pire moment là ? C'est là où je voulais en venir au début. Est-ce que tu le vends pas au pire moment ? Tu as un joueur qui est en fin de contrat. Pas le choix. Tu dois. Si, tu as le choix. Il y a d'autres joueurs. Je pense qu'en plus, ce n'est pas le joueur le plus demandé. C'est pas le joueur le plus demandé. Donc, laisse-moi aller au bout du truc. Là, tu es en fait à la fin d'une gestion catastrophique de ton effectif depuis des années. On est en plein dedans. Et là, on va devoir vendre au pire moment tous les joueurs qui sont… On veut vendre qui ? Les joueurs qui sont à un an du terme de leur contrat, qui sortent d'une saison plus ou moins moyenne, et donc ils sont à leur cote la plus basse qui existe depuis des années. Est-ce que finalement, c'est pas mieux de vendre un Sanson qui est beaucoup plus demandé et de prolonger un Lopez qui, si, fait une bonne saison… C'est un entraîneur à satisfaire, Ben. Ouais. Tu crois que si tu vends Sanson, il va être content, Villas-Boas ? Tu dis, ok, on vend pas Sanson, on garde Maxime Lopez, ça sera lui ton titulaire l'année prochaine. Il va dire quoi, Villas-Boas ? Tu vas lui expliquer que Sanson, il va peut-être te ramener trois fois plus d'argent que Lopez. Tu vois ? Oui, il va te ramener trois fois plus d'argent. Et il va être trois fois plus compliqué à remplacer.
alors que t'as pas d'argent pour le remplacer. Ouais. L'urgence, c'est de vendre les joueurs qui ne te servent pas et qui ont une petite valeur marchande, de Valère Germain, Bounassar, Maxime Lopez. Ça sera moins compliqué pour Villas-Boas de se priver de ces trois joueurs que si tu vends Sanson, Caleta-Car, même si je pense qu'eux aussi ils seront vendus. Mais en priorité, Maxime Lopez, tu n'as aucune raison de le garder parce que sportivement, il n'est pas titulaire et il ne t'apporte pas forcément un gros challenge. Est-ce que c'est un joueur, donc je vais donner la parole à Nico, est-ce que ce n'est pas un joueur qui peut faire une bonne saison, voir sa cote exploser? C'est ce que tu disais, Hervé, hein. Si ça se trouve, il va exploser dans un an ailleurs et c'est l'autre club qui va se gaver. C'est un classique. Nico. Après, le truc qu'il y a, c'est ce que je dis depuis le début, moi, par rapport à Maxime Lopez, c'est que dans le système de jeu d'André Villas-Boas, je ne suis pas sûr qu'il corresponde. Parce que Villas-Boas, il a un jeu un peu il direct. Il était titulaire en début de saison. Il était titulaire le temps que Rongier joue. Et à partir du moment où Rongier a joué, c'était fini. Parce que ce n'est pas le même profil. Ce n'est pas un profil qui correspond totalement au jeu de Villas-Boas. Donc effectivement, je pense que l'OM, ils ne vont pas retenir Maxime Lopez. Je pense que lui aussi, il a envie de partir. Alors le truc, c'est comme disait Hervé, soit tu le vends à un prix raisonnable, mais tu gardes 25% de plus-value sur une revente d'après. Soit tu fais une petite négociation comme ça avait été fait avec Nasri à l'époque, où tu le prolonges, sachant qu'il partira quand même cet été. Mais les clubs, ils recrutent pas au bout d'une fin. Ils se basent pas sur une saison. C'est pas parce que, admettons, le garde, il va faire une bonne saison que les clubs vont se dire ah bah il en vaut 50 maintenant. C'est pas sa première saison. Parce qu'il va avoir une autre exposition en Coupe d'Europe. 3-4 ans qu'on le voit. S'il a vraiment, il avait un potentiel pour exploser, comme vous le dites, on l'aurait perçu. Je veux dire, ici au club, enfin chez tous les suiveurs, si je vous demande un joueur aujourd'hui dans l'effectif de l'OM qui a vraiment une possibilité d'exploser, vous allez tous me dire Camara. Maxime Lopez. Non, je déconne. Parce que Camara, tu sens qu'il y a… Il y a un truc sur la semelle. Ouais. Mais moi, Maxime Lopez, pour moi, c'est un bon joueur de Ligue 1, mais je le vois. C'est pas un joueur où je me dis il va arriver en équipe de France un jour. Ok, donc Maxime Lopez, tu le vends 7 millions cet été, tu te dis, bon, ben… Essaye de mettre entre 8 et 10 millions, si tu arrives à mettre une option, comme l'a dit Hervé, de pourcentage à la revente. Combien tu vas mettre pour le remplacer? C'est ça le truc, tu vas remettre 7 millions pour le remplacer? Ouais. Non, si tu es malin, si tu sais recruter, si tu travailles bien, et tu peux le recruter pour… j'ai l'impression que tu parles d'un joueur qui est hyper compliqué à remplacer. Mais non, mais par qui tu vas le remplacer après? C'est toujours pareil, tu vas encore repayer un mec qui, ça se trouve, qui va te coûter encore plus cher et qui va… Donner un nom, il y a deux semaines, vous vous foutiez de ma gueule, donc je ne le redonnerai pas, mais… Ouais. Bon, on verra tout à l'heure les bons plans Mercato. Ouais. On va passer aux rumeurs concernant des cibles de l'Olympique de Marseille, et il y en a deux, notamment en attaque. Alors, le premier… que tout le monde connaît, bien entendu, c'est Alexander Sørloth. Voilà. Ouais, il joue au VFK Aalborg, 14 matchs. Mytho total. Je ne sais pas qui c'est. C'est une info Foot Mercato. L'attaquant norvégien de 24 ans, donc Alexander Sørloth, qui évolue à Trabzonspor et qui est prêté par Crystal Palace. Il a inscrit… Donc c'est un attaquant, il a inscrit, attention, 19 buts en 26 matchs. Et sa cote, elle est évaluée à 13 millions d'euros. Tu en penses quoi, Nico? Alors déjà, a priori, Trabzonspor, ils ont une option d'achat qui est estimée à 7 millions d'euros. Donc l'idée, ça serait qu'ils le prennent et qu'ils le revendent derrière, parce qu'on parle d'un prix de 20-25 millions d'euros, ce qui aurait beaucoup de clubs dessus. Parce que c'est un peu le Haaland en moins jeune, quoi. Il a fait une énorme saison en Turquie, parce qu'ils sont, je crois que Trabzonspor, ils sont second, ils sont premier ex aequo, et c'est un mec qui est hyper grand, je crois qu'il fait 1m93, mais il va super vite. Donc en fait, il a vraiment les caractéristiques pour jouer dans les gros clubs. C'est un grand gabarit, mais qui va très vite, qui n'est pas mauvais techniquement, et qui a enquillé les buts cette saison. Donc en fait, c'est un peu une hype, donc je pense que financièrement, c'est intouchable pour lui. Ah bon ? Pour rebondir là-dessus… 13 millions d'euros, je pense que l'OM n'aura pas les moyens cet été de mettre 13 millions d'euros sur quelques joueurs que ce soit. Ah ouais, carrément, sur 13 millions d'euros. Je maintiens ce que j'avais dit la dernière fois, ce sera un mercato d'opportunité avec des prêts et des joueurs libres. Nassim,
13 millions d'euros, c'est Transfermarkt. Là, on parle de 20-25 en vrai. Non, mais bon, alors, on n'en parle même pas. Moi, pour moi, 13 millions, je pense que l'OM n'a pas. Le déficit est tel que le club n'aura pas. Là, tous les transferts qui vont être réalisés vont servir à boucher les trous. Et ensuite, ça sera des mercatos, un mercato d'opportunité et de maximum des joueurs à 10 millions d'euros. J'ai du mal à croire que le club sera en mesure de mettre 13 millions d'euros sur un attaquant, sachant qu'il a déjà mis 15 millions l'année dernière sur Benedetto. Ça te plairait, toi, comme profil Bon, je te demande pas si tu connais. Ouais. Bon. Non, mais j'essaie d'être. Vous savez, j'adore la macroéconomie. Je me dis, est-ce que ce qui est en train de se passer, là, si ça dure, est-ce que ça ne va pas flinguer aussi le mercato mondial de football, tout ça? Bah oui. Est-ce que ça ne va pas tirer les prix vers le bas? Et est-ce que des mecs qui ont compté vendre même 10 millions, est-ce que tant, si on arrive à les passer à 5, on sera content? Et nous, est-ce qu'on ne va pas payer moins cher des joueurs? À part les top players, il y en a toujours 3 ou 4 tu sais, qui sont hors concours. Mais est-ce que la pyramide, parce qu'on sait que la pyramide du football, elle est un peu fébrile, hein. Il y a beaucoup d'argent et d'un coup, tu sais, ça peut peut-être s'écrouler. Donc, sincèrement, il faudrait être devin pour voir. Et là, on va voir vraiment si Zubizarreta a des réseaux. S'il reste là, je pense qu'il devrait rester avec l'autre. Je pense plutôt que s'ils arrivent à faire des coups, ils vont chercher dans leur pays respectif, que ce soit le Portugal ou l'Espagne. Et je pense qu'ils vont le faire des coups là-bas parce que peut-être qu'ils ont plus des pépites, tu vois, de 19 ans qui savent qu'ils ont un potentiel que personne ne connaît. Parce que là, le gars que vous venez d'évoquer, il a flambé, donc il est connu un peu sur le marché. Ouais, tu vois. Oui, il est connu. Donc c'est fini maintenant. Comme tu dis, si tu dis c'est entre 13 et 25 millions d'euros, comme il dit entre Nassim et Nico, là, c'est la science-fiction pour moi. Là. Donc je sais pas. Après. J'espère surtout qu'il y a certaines personnes au club voilà, qui tenaient les cordons de la bourse, qui viendront s'expliquer, qui prendront la responsabilité. Là, tu le sais que là... D'avoir saccagé un club comme ça en si peu de temps, moi je dis bravo, oui, on va jouer la Ligue des Champions et on va se retrouver avec une équipe de. Ça va être les bras cassés, quoi. On va récupérer les bras cassés de tous les champions. Plus, là. Parce que toi, tu m'as cité des bons plans. Attends, tu m'as cité des bons plans et j'espère que tu ne vas pas me les redonner aujourd'hui. Putain, ça fait peur, quoi. Si c'est, non, si j'en c'est ai ça, mieux. Hein? J'en ai des mieux. Ah, j'espère. Bon, gardez pour tout à l'heure. Et je pense que, moi, c'est ce que j'ai dit, comme je te l'ai dit, je pense qu'on va revivre un mercato, Hugo Chan, Takai, machin, parce que le club est beaucoup trop endetté. Ouais. Bah, peut-être qu'on va faire appel à cette société qui nous avait fourgué les joueurs, là, un leasing, là, comment elle s'appelait, cette boîte, là, qu'il avait utilisé la brune pour la dernière année, là. Ouais, voilà, peut-être que ça va être ça, hein. Peut-être que tu vas devoir les acheter en leasing, tu vas devoir partager, je sais pas moi. Mais attends, quand tu n'as pas les moyens de te payer une voiture neuve en concession, tu vas la louer en leasing, voilà, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il va falloir passer arrêtez par ça. Avec votre Champions Project par contre, hein. Arrêtez hein, s'il vous plaît. Ah, mais là, on le sait, écoute-moi, de toute façon, si tu dois faire un parallèle entre la commandatour de l'OM et la façon dont le gouvernement gère le truc, on sait très bien que c'est un amalgame. De gens qui sont arrivés des postes qui n'ont pas la compétence par rapport à cette activité, qui a une part de mensonge et une part de foutage de gueule. Voilà, pour moi, je le mets au même niveau. Je pense que c'est une histoire de génération. C'est des gens qui ont fait des grandes études et qui croient tout savoir. Alors que moi, on m'a toujours appris, d'abord, il faut passer les mains dans la boue pour connaître les choses. Mais bon, après, ces gens-là, ils te prennent d'eau parce qu'ils gagnent 100 000 euros par mois. Mais moi, ils n'ont rien à m'apprendre, hein, je veux dire. Hein. Mais voilà, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que tu as raison, c'est rageant. Parce qu'on va peut-être, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on va faire la Ligue des Champions, si on est qualifié, on va y aller avec l'équipe des collègues. Ça fait 6 ans que tu attends ça et ça va être encore pire que la saison d'Elibop. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que c'était pas pire. De toute façon, on avait signé plein de tous les prospects là. C'est pas la peine de. Peut-être qu'Andoni Zubizarreta va bien travailler, maintenant qu'on va lui laisser les franges. Et l'année dernière, ils ont réussi à recruter alors qu'ils n'avaient pas de moyens. Alors, j'ai senti. Bon, ils ont mis je suis pas d'accord avec toi, ils ont mis de l'argent. Ils ont mis l'argent qu'ils ont récupéré. Mais là, ils feront même pas ça. Et je te dis, moi, je pense que ça sera un mercato d'opportunité. Donc, après, des joueurs libres ou en prêt. Il y en a sur le marché, il y en a et faudra fonctionner comme ça. C'est court. On va passer du coup à la dernière rumeur qui concerne un autre attaquant que tu connais bien, Nassim, c'est Slimani. Alors là, c'est Abola qui a sorti l'information d'un intérêt de l'Olympique de Marseille pour Slimani.
vu que tu le connais bien, parce que tu suis aussi l'AS Monaco, est-ce que tu penses que ça peut être, ça peut rentrer dans tes cases, ça, Slimani? Sur le profil du joueur, oui. Hein, sur le profil du joueur, oui. Mais après, sur le montant du transfert et le salaire, j'ai des doutes. C'est cher, ça me vaut cher, ça. La cote transfert Market, elle est à 6,5 millions d'euros. C'est un joueur qui a 31 ans. Si je ne dis pas de bêtises, il a une option avec Monaco, option d'achat, qui n'a pas été levée et que lui attendait que le club lève, hein. Elle est de 9 millions d'euros. Elle n'a pas été levée, mais je ne pense pas que l'OM ait 9 millions à mettre sur un attaquant. Je me répète, je... Vu la situation, est-ce que ça peut se négocier en prêt, ça ? Peut-être que tu peux faire un prêt de Slimani. Tu peux gérer un prêt de Slimani. Et pour moi, ça serait une bonne idée parce que c'est un super joueur. Et en termes de mouille le maillot ou casse-toi, lui, le maillot, il le mouille. Donc, en termes d'état d'esprit, il ferait énormément de bien au groupe. C'est un joueur qui est vaillant, qui est battant. Et moi, j'ai découvert cette saison à Monaco que c'était un super passeur. Il a un sens du timing et de la justesse de passe que je ne lui soupçonnais pas. Et le duo qu'il forme avec Ben Yedder, c'est quelque chose. Donc oui, et en plus, il a un profil totalement différent de Dario Benedetto. Donc tu peux les associer ensemble. Mais après, reste à savoir, est-ce que Villas-Boas entend jouer avec deux attaquants ? Et c'est ça la question, parce que Slimani, si tu le prends, il va jouer seul en pointe et tu mets Benedetto sur le banc, tu vois ? C'est un peu ça le problème avec le profil de Slimani. Slimani, à mon avis, il sera bon s'il joue avec Benedetto, pas l'un ou l'autre. Pour moi, il sera bon dans les deux cas, mais tu n'as pas les moyens d'avoir, comme tu l'as dit, Slimani titulaire et Benedetto sur le banc ou inversement. Parce que tu n'as pas les finances pour acheter deux attaquants, pour d'avoir deux attaquants que tu achètes cher pour en laisser un sur le banc. On a pu jouer en 4-4-2 à l'OM depuis Klaus Allof et Jean-Pierre Papin. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Ça te paierait, toi, Slimani, Hervé ? Ben écoute, il a l'air d'avoir la hype. C'est vrai qu'il est plaisant à regarder. On voit que c'est un battant. Oui, pourquoi pas. Mais là, je viens de voir dans le flux, là, il y a un gars qui vient de dire que son salaire, c'est 380 000 euros par mois pour un mec de 32 ans. À la revente, derrière, tu n'as rien. Donc, c'est encore des gros salaires. Je ne sais pas. Il faut voir le montage financier, mais c'est chaud quand même, hein, parce que... Comme tu vous dites, là, on est à la cave. Putain, ça ne fait pas rêver. Hein. Je ne sais pas. Honnêtement, pourquoi pas. Hein, mais là vous m'avez cassé le moral. Là. Ouais. Alors, pour rêver un peu, ouais. On va passer au bon plan Mercato. J'en ai un. Ah, c'est vrai ? Ouais. J'ai cousin Lulu, des collègues. Igor, très good. Je peux vous l'avoir pour pas cher. Il a... Ah, voilà. Hey, tu vois, il a été puni, il s'est fait virer. Ah, on a perdu Hervé. Il n'est plus là ? Non, il va revenir. Il va revenir. Bon, messieurs, est-ce que vous avez... qui veut commencer ? Attends, il revient. T'avais disparu. Je suis revenu. Voilà. C'est bon. Pas de bon plan Mercato, Hervé ? Non, à part ça ? Non, et n'oubliez pas Mitroglou qui va revenir quand même. D'accord. Ouais, mais là, c'est fini. Hein. On ne pourra pas le fourguer à qui que ce soit. Il est grillé de partout. On va se le camfrer. Hein. Encore un joueur en fin de contrat qu'on va essayer de refourguer. Ouais, qui commence ? Nico, tu veux commencer ? Moi, j'ai un bon plan Mercato. C'est un joueur qu'on connaît bien, dont on a beaucoup entendu parler en 2015. Parce qu'il a, il y a 2014, je ne sais plus. Non, je crois 2015, je crois. En fait, il était vraiment annoncé à l'OM. Il était annoncé dans les petits papiers de Marcelo Bielsa. Je regarde si c'était 2015. Non, c'est 2015, c'est ça. C'est un Chilien, milieu de terrain. Donc, si Strootman et Sanson s'en vont, ça peut être un bon profil parce que c'est un joueur qui est, c'est pas un jeune, il a 30 ans, mais il est encore en pleine force de l'âge. C'est un très bon joueur. Il joue à Leverkusen et il est en fin de contrat parce qu'il est gratos. C'est Charles Aranguise. Aranguise, international chilien. Charlie, ça faisait longtemps. Non, c'est un super joueur. Alors, il a eu quelques blessures cette année quand même. Donc, ça a un peu contrarié sa saison. Mais c'est quand même un super joueur avec la hargne chilienne. Donc, il peut jouer à plusieurs postes au milieu. Bonne technique, un combattant. Je pense que si tu perds Strootman et Sanson, tu as un mec gratos qui va avoir un salaire quand même assez conséquent. Mais ce n'est pas non plus les salaires de Payet. Donc, je pense que c'est une bonne option. Alors, est-ce que j'ai plus sur...
Et en plus, surenchérir sur. Vas-y. En plus, dans l'abécédaire, il rentre pile poil à la lettre L. Vous savez pourquoi ? Non. L comme ligament croisé. Eh oui, c'est fait les croisés. Donc, les ligaments croisés, on les prend tous. Voilà. Ouais, c'était il y a deux ans quand même. Vas-y Nassim. Non, ben moi je vais surenchérir au même poste. Et alors pour un joueur. Attends, je vous fais réagir. Ah d'accord, vas-y. Bah je connais. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu jouer. Et donc non, je sais pas plus que ça. Non, pas plus emballé. C'est pour expérimenter, moi ça me plaît. Franchement. J'entends. La mentalité, l'agressivité. Là, c'est un joueur technique. Vas-y. Strootman aussi, il était expérimenté, il avait de la grinta, et c'est un joueur qui devait nous apporter énormément de choses. Et qui s'était fait les ligaments croisés deux ans avant aussi. j'ai pas d'avis sur Aranguiz, c'est peut-être un très bon joueur, mais ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu jouer pour pouvoir me prononcer. Hervé, c'est le profil de joueur qui t'intéresserait, toi, un mec un peu expérimenté comme ça? Moi, je ne vais pas faire le mytho comme sur les plateaux de télé, les mecs qui connaissent, moi je ne connais pas, je n'ai jamais vu jouer, donc je n'ai aucun avis. Non, je connais. Peut-être ça le voulait à tout prix. Alors ça veut dire qu'il doit avoir un certain talent ou un talent certain, parce que bon, on sait très bien que Bielsa, il arrive à trouver la petite étincelle dans plein de joueurs. N'oublions pas ce qu'il a fait de Morel. Mais après, c'est vrai que si on prend que des mecs qui sortent comme moi de l'hôpital Nord, c'est pas trop bon. Et puis, le fait que Bielsa l'ait voulu ou le veuille, c'est pas un gage de qualité. C'est juste un gage de se dire que Bielsa, il pensait en faire quelque chose. Mais ça veut pas dire que n'importe quel entraîneur en ferait quelque chose aussi. Exactement. Ça, je suis d'accord. Mis à part les blessures, il a quand même fait des belles saisons en Allemagne. C'est pas un joueur qui s'est planté en Europe. Hein. Et c'est un international chilien qui est bon avec son équipe nationale. Le seul bémol, c'est les blessures. Bon plan mercato, Nassim. Ben, milieu de terrain qui est dans le championnat de France, mais qui est prêté par un grand club anglais. Allez, essayez de trouver. Putain. Et donc, il sera de nouveau, il va retourner dans son club l'année prochaine. Et très, très bien. Milieu de terrain, quoi ? Milieu de terrain. Il peut jouer. À Reims ? Il joue à Monaco. Ah putain, c'est vrai, j'aurais dû. À Monaco, ils ont 10 millions de joueurs. Ben moi, je pensais à Tiemoue Bakayoko, qui va retourner à Chelsea cet été et qui, je ne sais pas ce que Chelsea compte faire de lui, mais si on perd un milieu relayeur, et ben, si on doit en prendre un qui connaît la Ligue des Champions, qui connaît le championnat de France, qui a été international français, qui est jeune et qu'on peut avoir en prêt, parce qu'on ne pourra pas payer son transfert, on n'a pas les moyens. Et je pense que il n'a Chelsea... pas un gros salaire, Bakayoko ? Il a un salaire qui est conséquent, j'imagine, mais après à nous de négocier. Mais je pense qu'en termes de profil, footballistiquement, c'est un monstre. Physiquement, c'est un buffle. Là, moi, je l'ai vu à Monaco cette saison. Il est arrivé que récemment, au mercato d'hiver, si je ne dis pas de conneries, ou je dis peut-être une connerie. Mais en termes d'impact et de projection et de bouffer un milieu, il est vraiment, vraiment bon. Et je ne suis pas sûr que Chelsea le conserve la saison prochaine. Et nous, on devrait jouer la Ligue des Champions. Donc, on pourrait l'intéresser. Enfin, pourquoi Monaco ne le garde pas ? Je ne sais pas s'il y a une option d'achat et je ne sais pas si lui voudra rester à Monaco. Pour l'instant, Monaco, c'est assez flou. Ils ont 70 joueurs sous contrat pro. Ce n'est pas le projet le plus clair de tous les temps. Ils ne joueront pas l'Europe l'année prochaine. Donc, je pense qu'il y a une carte à jouer de ce côté-là. En tous les cas, moi, Bakayoko, c'est un joueur qui m'intéresserait si j'étais aux commandes de l'Olympique de Marseille. C'est un prêt payant avec option d'achat et il est arrivé en août. D'accord, moi tu vois, je vais dire une connerie. Donc Bakayoko, 25 ans, juste pour préciser. Après, bon, ouais. Bakayoko, moi j'avoue, c'est un joueur, c'était peut-être le joueur que j'aimais le moins quand Monaco, ils avaient fait leur campagne en Ligue des Champions. Mais je l'ai trouvé pas mal aussi à Monaco à un moment donné, là, quand ça a rejoué un peu au foot. Je pense que c'est un joueur intéressant qui n'est pas si mauvais que ça avec ses pieds. Après, moi j'ai peur qu'en termes de salaire, Monaco, ils ont des avantages fiscaux aussi hein, qu'on n'a pas. Et je pense que c'est compliqué. Pas sur Bakayoko, il est français, il paye les charges de la même manière. Normal, il est parti combien de temps même si tu as évolué à l'étranger pendant X temps Ouais, ça change rien. Quand tu es français, tu payes les charges. Et pour aller bénéficier de l'impatriation fiscale, il faut rester 5 ans à l'étranger. Il n'a pas fait 5 ans, il a fait 2 ans, je crois. Donc, écoutez, voilà. Je, c'est mon, ma, ma, ma première, mon premier. Alors,
Avant que je vous donne je vous demande votre avis là-dessus, je vais vous dire à tous qui nous regardez en direct, vous pouvez nous poser des questions, on va y répondre dans quelques minutes. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat et on revient vers vous dans quelques instants. Ça te plaît toi Hervé Bakayoko, tu le connais celui-là quand même? Ben écoutez, je connaissais son oncle, c'était un joueur sympa. Il nous a bien fait délirer. Son homme qui nous a marqué des buts extraordinaires. Et des fois, il a fait des. Drôle, à 2 mètres, il faisait des pizzas au fromage. Mais il m'a rigolé quand même. Hein. Ah, parce que Bakayoko, le nôtre aussi nous a fait rigoler. Ah ouais, il nous a fait rigoler, mais il m'a fait rêver. Je me rappelle de OMPJ qui marquait. C'était l'idole de moi. Un mur de jambes, il m'avait fait rêver, moi. Pour les plus jeunes qui nous regardent, allez sur YouTube et tapez coup franc Bakayoko Montpellier. Et vous allez m'en dire des nouvelles. Ibrahima. Ouais. Tu sais que c'est une des idoles de Mourad, quand même. Je ne sais pas si tu nous regardes, Mourad. Mais quand on l'a croisé, parce qu'il était venu, Bakayoko, au Vélodrome il y a quelques mois, il était là. Ouais. On l'a croisé avec Mourad. On a discuté avec lui. Mourad l'a interviewé, du coup, pour Football Club de Marseille. Et putain, il était tout… C'est un genre emblématique. C'est une époque. Ça ne peut pas taille quand même, Mourad. Oui, voilà. Et puis il y avait un certain affect avec ce joueur parce que voilà, c'était pas des tricheurs, ces mecs. Il faisait pas semblant, quoi. Voilà. Et il a mis des buts importants. Il mettait pas énormément de buts, mais il a mis beaucoup de buts très importants pour le club. Nous sommes de la Ligue 2 la dernière journée. Hein. Il nous sort. Ouais. Sur un but à Sedan. Faut pas l'oublier, ça. Il a tout mon respect. On fait un dernier bon plan mercato ou pas? On a encore des bons plans mercato. Bon, allez, on en fait un dernier. Vas-y. Il y a Carrasco, il n'y a pas moyen de le récupérer. Je vois avec Saint-Michelis, il y a des gens qui proposent aussi dans le chat. On va les prendre. Bon, allez, on passe aux questions. On va appeler la voix. Est-ce que la voix est avec nous? Eh oui. Oui, je suis là. Salut à tous. La voix est avec nous. Attends, je peux donner mon deuxième bon plan ou pas? Parce qu'après, moi, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Vous n'allez pas m'inviter. Bon, allez, vas-y. Rapido. Pareil, joueur de Chelsea qui ne joue pas cette année, milieu offensif, technique, que je trouve super bon et qui n'a jamais trop eu sa chance dans ce club. Il a déjà été prêté plusieurs saisons. C'est Loftus-Cheek, que j'aime beaucoup. C'est une espèce de Marcus Thuram, peut-être un peu moins puissant, assez grand, assez technique. Et je pense qu'il pourrait régaler le Vélodrome. Et pareil, en prêt, je suis persuadé que ça serait jouable parce qu'on joue la Ligue des Champions et ce n'est pas un joueur qui semble être dans les papiers de Chelsea. Donc voilà. Il est jeune encore, il doit avoir… je n'ai pas vérifié, je t'avoue. C'est un joueur qui est assez jeune, il doit avoir 23-24 ans, je pense. Nico va me le dire. Ça en prêt? Ouais, en prêt, je pense que ça serait intéressant à avoir… un vrai bon joueur technique, percutant, qui sait faire pas mal de choses offensivement. C'est un joueur qui a 24 ans. Voilà. Il pourrait prendre la place de quel joueur? Si on perd Thauvin, si tu perds Payet, c'est plus un joueur de côté. C'est un Marcus Thuram en moins puissant. Grand technique, dribbleur, quoi. Il fait 1m91, putain, ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il devient Marcus Thuram d'ailleurs? Il fait une super saison du comté de Mönchengladbach. Marcus Thuram, c'est terminé. D'accord. Là, c'est terminé. Ça vous plaît ou pas? Moi, c'était bien. Non? Vous ne connaissez pas trop? Non, si, je l'ai vu un peu jouer, mais c'est pas le genre de joueur que j'aime trop. C'est pas le genre de profil qui me plaît, en fait. C'est un grand costaud et moi, j'ai peur que les Anglais, c'est compliqué. Ils ont du mal ailleurs, donc j'y crois pas trop. Et puis j'en rajoute un dernier parce que j'ai envie de… Non, mais oh. Regardez, le confinement, ça va durer encore 70 jours. J'en ai trouvé un bien encore. Bon, vas-y. Rapidement. J'ai apéro, moi, dans 5 minutes, là. Ex de Ligue 1, un joueur technique qui joue plus trop du côté de Southampton, Sofiane Boufal. Il a joué 8 matchs cette saison titulaire. Il en a joué 20 en tout. Il connaît le championnat. C'est un mec qui régalerait le Vélodrome. Il sait faire beaucoup de choses, on le connaît, et je pense que voilà, il a jamais joué. Il jouera pas la Ligue des Champions avec Southampton, et c'est le genre de joueur que moi j'aimerais voir du côté du Vélodrome. Sofiane Boufal. Ah oui, d'accord, oui. Oui, voilà, c'est un joueur qui a été annoncé régulièrement aussi du côté de l'OM. Ça serait l'occasion de se remettre dessus. Ah ouais. Il était à Angers en seconde division, je crois que c'est l'OM qui avait failli le faire signer. C'est vrai, ça me dit quelque chose. Ouais, un Boufal. Bon allez, on va répondre aux questions, on va rappeler la voix. Ryan. Salut. Re.
Vu que Nassim, il voulait du rab, donc du coup, j'ai laissé ma place. alors, on nous a parlé Est-ce que tu as des questions pour nous? Ouais, j'en ai une. Enfin, j'en ai plusieurs même. Mais on nous a parlé d'Ocampos avec cette espèce de rumeur pour l'Atlético Madrid, 65 millions. Voilà, donc cette personne voulait que vous réagissiez à ce truc-là. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi? Alors, il y a une rumeur comme quoi l'Atlético Madrid veut Ocampos et la clause d'Ocampos c'est 65 millions. Après, moi je pense. Et nous, on a mis le pourcentage là-dessus au moins? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Il semblerait. Mais ça va être quoi? C'est quoi 5-10%? Enfin, bref, le fait est que Ocampos, il a totalement le profil pour jouer à l'Atlético Madrid. Parce que c'est exactement le genre de joueur que Simeone, il veut avoir. C'est un combattant qui peut marquer des buts, qui peut faire des passes, qui va s'arracher tous les matchs. Il peut jouer latéral gauche s'il faut. Non, non, je pense qu'il a le profil et c'est vrai que ça fout encore plus les boules qu'il soit parti au moment où il commençait à être bon à l'OM. Mmh. Alors, si Maxime Lopez, il vaut 65 millions, dans deux ans, on s'appelle. Hein, parce que si y a un mec qui était capable de te dire, il y a deux ans, qu'Ocampos, il valait 65 millions d'euros. Mais il valait 65 millions d'euros. Il a une clause à 65 millions d'euros. Ouais, il n'a pas été vendu ce prix-là encore. Non, d'accord. Mais il sera vendu. Malang Sarr, il a une clause à 60 millions d'euros aussi. Je ne suis pas sûr que Malang Sarr vaille 60 millions d'euros. Non, ça c'est sûr. Bah, voilà, donc les clauses, tu leur fais dire ce que tu veux. D'accord. On verra quand il sera vendu. Non, c'est un très bon joueur, comme l'a dit Nico. Il cale parfaitement avec le profil Simeone. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il aille, qu'il aille là-bas. Ouais, Hervé, arrête avec ta webcam. On est en train de te perdre, Hervé. On est en train de te perdre. Je sais pas, ça passe au. Non, mais c'est un complot. Tu fais du nettoyage. Je sais pas. Oui. La voix. Oui. La voix. Est-ce que tu as une deuxième question? Oui. On parle de Mitroglou. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec lui? Est-ce qu'il est utilisable par Villas-Boas ou est-ce que faudrait peut-être l'utiliser en tant que monnaie d'échange dans un deal, par exemple? Une monnaie d'échange, il faut que la monnaie, elle vaille quelque chose. Je pense que le problème, c'est que Mitroglou, il a été prêté pendant un an et demi et qu'il n'a pas joué, que ce soit en Turquie ou aux Pays-Bas. Donc, le problème, c'est que là, il est irrefourgable. Ou alors, il faudrait donner de l'argent à un club grec pour le récupérer. Moi, je pense que le meilleur truc à faire, même si tu gagneras plus d'argent sur lui, c'est de l'avoir dans ton effectif. C'est un vrai attaquant de pointe. Tu as au moins un attaquant sur le banc. Non. Tu peux te marquer des buts. Mais si. Faut faire une coup d'assurance avec lui. Il faut trouver un moyen de voler une assurance, de le blesser avec un tractomel à la commanderie. Ils vont faire comme ils ont fait avec Rami, avec Bedimo. Ils vont lui trouver une excuse bidon pour résilier son contrat ou un accord à l'amiable. Mais je le vois pas rester à l'OM. De toute façon, je le vois pas comment tu pourrais l'inclure dans un deal parce que sa cote elle est au plus bas. À moins de l'envoyer au Qatar ou dans des championnats exotiques où ils ont peut-être moins, ils ont pas la télé, pas la Ligue 1 et ils regardent pas les matchs. Mais non, ça va être un sacré boulet pour les finances du club. On a la voix, une autre question. Une autre question avec une proposition de joueur cette fois-ci. Alors je pense que ça va vous faire peut-être soit gueuler, soit vous allez dire putain, mais on aurait dû y penser plus tôt. Lionel Messi de United, donc qui est Matic, Nemanja Matic de United, c'est pas possible, ouais, qui a 31 ans et qui joue plus trop avec Manchester United. On nous a proposé ça et je me suis dit, est-ce que je la pose ou pas, parce que je suis un peu mitigé sur le dossier. Mais je vais gueuler si tu veux, je vais gueuler direct là-dessus. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Matic, il a quoi comme salaire de psychopathe en première ligue? Il a un salaire de dingue, c'est obligé. Donc c'est injouable, c'est pas possible. Exactement. Je plus sois mon ami Nico en termes de salaire. C'est un mec qui a fait Chelsea avant, Chelsea Manchester, c'est ça? Ouais, c'est ça. En prêt, tu prends 30% du salaire. Bon, j'y crois pas. Et même moi, les derniers matchs que j'ai vus de Matic, je m'étais arrêté sur sa période Chelsea où je le trouvais bon. Et je l'ai vu jouer cette saison avec Manchester. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais attends, c'est celui qui était à Chelsea. Et je n'ai pas trouvé ça incroyable, quoi. C'est un croate, c'est ça? Non, c'est un serbe, je crois. Ouais, je crois que c'est un serbe. Donc, c'est la famille Radonjić. Ouais. D'accord, ok. Matic. On prend une dernière question. Allez, une dernière question encore. Moi, à l'apéro, toi.
Alors attendez. Il prend 140 000 livres par semaine. Bah, ça fait 150 000 euros, on va dire, allez, entre 150 et 200 000 euros par semaine, donc t'es à 600 000, allez, 700 000 euros par mois. Ouais, ça va, tu es tranquille. Ça va. Ça va. Je pense qu'on pourrait même pas lui proposer par an. Allez, dernière question. Allez, et là maintenant, c'est un joueur de Nice, donc peut-être que Nassim va pouvoir en parler un peu plus. C'est Tamézé. On nous propose non, ça comme... Non, c'est pas du tout un joueur sur lequel je m'orienterais si j'étais l'OM. C'est un joueur moyen de Ligue 1. Là, il a été prêté à l'Atalanta Bergame. Il joue pas des masses, même s'ils sont qualifiés en Ligue des Champions brillamment. Moi, Tamézé, c'est moins fort que tous les joueurs. À mon sens, hein, c'est moins fort que tous les joueurs que tu as au milieu à l'OM. Ouais. Ouais. Mais c'est un joueur qui a une hype en Ligue 1 que j'ai du mal à comprendre. Ah ouais. Je regarde souvent les émissions de l'équipe du soir et tout le monde dit que c'est un super joueur, mais j'ai l'impression que les gens qui en parlent ne regardent pas beaucoup les matchs de Nice. Si vous demandez aux supporters niçois s'ils veulent conserver Tamézé dans leur effectif, la preuve, cette saison, il a absolument quasiment pas joué. Et ils l'ont prêté cet hiver à l'Atalanta. Cet été, ils voulaient le vendre. Patrick Vieira n'a pas spécialement envie de le conserver parce que c'est un joueur moyen, c'est un bon joueur de Ligue 1, mais c'est en dessous de ce qu'on a aujourd'hui à l'OM. Merci beaucoup, merci à tous. On va tous partir à l'apéro maintenant. Ah ouais, c'est la fin de cette semaine. Il est pas bien depuis tout à l'heure, il est avec son portable, il reçoit des messages. Hey Ben, allez, arrive. Et là, il a des gouttes de sueur qui coulent et tout. Il est pas bien. C'est bon, les mecs, voilà. J'arrive. C'est important. C'est, tu vois, c'est le rituel de chaque journée de confinement. Après, voilà. Après il peut avoir une variable. Comme Macron est allé voir Raoult cet après-midi, si Raoult il prend le bingo, c'est-à-dire que c'est lui qui sauve la planète, il y a tous les joueurs du monde qui veulent venir chez nous pour pas cher. Raoult. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi pour un prochain débat foot Marseille confinement avec. On se confine avec qui lundi prochain? On va se confiner avec Jean-Charles De Bono, Mourad Arts et puis qu'est-ce qu'il y a? Il y a Betty Boop. Bon. Ah oui, mais il faut vous. Version Espagne. L'euro. Le dernier, elle a gagné l'euro. Ciao. Merci à tous. Allez, ciao. Merci. Ciao à tous. Ciao.